Bonjour à tous, nous sommes le mardi 5 avril et bah, il est 6h du matin et là il y a mon ami Robert qui va venir me rejoindre ici à la maison pour partir en équipe chasser la radio sonde limoise, donc la M20 de cette nuit. Voilà, elle a atterri sur la région de Camargue, donc pas très loin d'ici. Et on va profiter justement pour rejoindre notre copain Christian F4 IKE, que l'on va récupérer. Donc on va se faire une petite chasse à trois. Bon, elle est tombée sur un terrain plat. On a étudié un petit peu son vol de cette nuit. Et finalement, je pense que ça ne devrait pas être bien compliqué de pouvoir mettre la main dessus. En tout cas, on va passer un bon moment entre copains et je crois que c'est plutôt ça le principal. Alors j'attends Robert, là, qui va arriver d'une minute à l'autre et puis et on y va. Alors à tout de suite. Salut mon bon Robert. Salut, ça va? Pour aller faire, ça t'a pas fait lever trop tôt ce matin? Depuis 2h30 je suis debout alors. 2h30, oh, mais t'es fou furieux toi. Hein. Bon bah allez, va garer ta moto et puis on va prendre, prendre la voiture. Pour aller faire du ramassage, c'est... Comment je pourrais dire, c'est dur de se lever comme ça. Oui, parce que c'est vraiment du ramassage. Hein. Ah ben là, il n'y a aucune difficulté. Hein. Oui, bah j'ai regardé, moi aussi, c'est que de la plaine, enfin ouais, ça va vraiment être du ramassage. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'histoire de se retrouver entre copains et passer un bon moment. Quoi. Il faut le lever. Hein. Bon ben voilà, on bénéficie d'un beau lever de soleil. Il est quelle heure? Il est pas loin de 7h du matin maintenant. Et on arrive bientôt chez Christian, qu'on va récupérer en passant. On n'aura pas besoin de la frontale, c'est déjà bien. Oui, on n'aura pas besoin, effectivement. Il est arrivé chez notre ami Christian. Vous savez, Christian, il a déjà la tête dans mon coffre. Ça va? Je suis en train de faire je fais des bagnoles, moi, tu sais, à la retraite, on n'a plus beaucoup de sous. Alors, je fais quelques coffres dans la rue. Commencez par le mien. Oui. Bon. Mais voiture de luxe, hein. Allez. On va aller faire du ramassage. Ça va pas être bien compliqué. Il est pas net. Hey Robert, te cache pas derrière là. Le fauteuil, on ne voit pas. C'est le fou. Ah, je suis à peine devant l'élastique. Hein. Ouais, comme ça, je touche pas le. Alors démarrer. Voilà, on va tout droit. Ah bon? Ouais, ouais. Pas écouter le GPS. Non mais je vais pas te faire apprendre à passer par là où il va te faire passer parce que c'est la misère. Et là, bon, ça a pas été trop dur de se lever tôt? À gauche. Ouais, ben. On t'a dérangé en pleine nuit à 7h du matin. En pleine nuit, une sirène appelle au feu. Là. Là, mais les chats m'ont réveillé à 5h30. Ils tenaient à ce que j'aille la chercher, cette sonde. Tu vois. Ils sont bien dressés. Station priorité à droite, là. Une fois, j'ai failli me plafonner. Parce que les mecs, ils arrivent, ils passent et s'arrêtent pas. Ils le savent. Ah ouais. La sonde, le dernier qui a eu le décodage, c'est toi. Hein. Ouais, j'ai vu 60 mètres, un truc comme ça. 74 mètres. Ouais, 74, ouais. Ouais. Mais bon, là j'ai vu, le niveau de la mer, il est à 3 mètres, là, cet endroit. Hein. Ouais. Donc j'ai fait le rapide calcul et c'est bon, j'ai la position. J'ai la position là c'est vraiment, ça va être vraiment de la recherche visuelle. On va tomber dessus. On va tomber dessus simplement en regardant. Hein. Ouais, j'ai pris le TTGO au cas où quand même. Mais le truc c'est que là-bas, c'est très. Ils font beaucoup de riz. Donc on risque d'avoir à patauger. Je crois que c'est une pâture. C'est ouais, une pâture, oui, il me semble aussi. Ouais, et voilà, on arrive sur le parc régional de la Camargue. On n'est plus trop loin. On doit plus être très loin de la radio sonde maintenant. Et on va profiter de ce beau soleil qui se lève. Regardez ce magnifique lever de soleil. On a des belles couleurs sur la Camargue là. Ça va les gars? Ouais. Quoi? On se réveille doucement. Ah, tu m'as réveillé. On se réveille doucement. Laisse-nous dormir encore un peu. Ah, les anciens, il faut les laisser roupiller. Non, on n'a pas sommeil. On l'a sous le sol. Mais on est dessus, hein. À mon avis, elle est sur le. Ou sur le bord de la route ou sur le champ là de l'autre côté. Il faut marcher un peu. Alors on s'est arrêté
normalement, elle est à peu près à 400-500 mètres en face, là-bas. Donc, c'est un chemin de terre, on va y aller à pied. Ça va nous promener. J'ai mis l'affiche voilà, sur le tableau de bord, comme quoi on était en recherche, on ne sait jamais. Et puis, hop, on va aller marcher un petit peu. Attends, je sais ce que je vais prendre. Ah, la perche. La perche, il n'y a pas besoin pour les stars. Normalement, il n'y a pas besoin. Non, voilà tout ce qu'il faut. 6 mètres, là, facile, hein. Allez, on prend le matériel et on y va. Ouais, il fait, j'ai regardé, il fait 5 degrés. Mais pas 5 degrés. Ouais, il fait pas très chaud, mais bon. Il fait beau, on a un beau ciel bleu, donc on va se balader un petit peu à la fraîche. Ouais, il est équipé, après tous ses postes radio avec lui. Voilà. Écoute au moins le 402. Pour moi, ça va. Écoute, mais on n'entend pas. Ouais. Si, on entendait la moitié de voiture. Bah, si elle s'est arrêtée, elle vient de s'arrêter à l'instant parce que il y a à peine 2 minutes, on l'entendait encore. Et je crois que. Qui t'a mis dans le café au lait de ce matin? Il a mis du rhum, lui. Je l'ai entendu, c'est pas vrai, t'as rien entendu. Mais si, on l'a entendu, Robert. En rêve. J'ai vu, mais je l'ai entendu aussi. T'as les Portugaises ensablées? Ah oui, moi, oui, je suis sourd. Le parachute au milieu du champ, ça a vraiment été une chasse de ramassage. Hein. Et là, on va pas y aller à trois là. Hein. Alors, je vais vous faire voir. Je vais agrandir. Tac, tac, tac. Voilà, au niveau de la tête de Robert, on peut pas mieux de l'écran. C'est pour ça qu'on n'apprend pas. Elle est dans une rangée. Bon, on essaye de respecter les sillons quand même, de pas les esquinter. Où est-ce qu'il est, Christian? Il est derrière. On arrive sur le parachute. En direct live. Le matin de bonne heure. Enfin, de bonne heure. Sous ce beau soleil. Tu le prends? Je sais pas où elle est. Je vais la chercher, elle est un petit peu plus loin. C'est bon, j'y vais. Ah ben non, oui. Elle est de l'autre côté. Alors tu suis le fil, elle est tombée entre deux sillons, c'est pour ça que il y a des moments où on l'entendait pas. Voilà, elle est juste là. Ah, regarde. Voilà. Voilà, la M20 de cette nuit, toujours en service. Salade, ça, non, je pense qu'est-ce qui pousse là, dans le sable là-dedans. Ah, ça y est, voilà, j'ai la position. Là, ça y est. À 2 mètres, c'est bon, tu la reçois. Il marche super bien, Tétéjo. À 2 mètres de distance, je capte un signal plein pot. Bon, alors, bon, allez, on va ressortir de là quand même. Te colle pas, je t'en mets une. Ça t'existe? C'est pas mon... Robert, faut tout essayer dans la vie. Bon, en tout cas, c'était... Justement, je tiens pas. Je tiens pas. Bon, cela dit, ça a été une chasse relativement facile, hein, ouais. Un peu comme ça se passe dans le Nord. C'est juste un ramassage dans les champs. Ouais. Eh oui, exactement. On est vache avec les gens du Nord. Non, mais on l'a aussi dans le Sud, hein, dans la Camargue, c'est plat, donc il n'y avait pas trop de difficultés dans l'ensemble. Hein. On n'a même pas eu besoin de matériel en définitive. Hein. Non. Ouais. Juste le point GPS et puis on est parti la ramasser. Quoi. Mais bon. Viens dans le petit Luberon, tu verras si c'est facile. Ouais, c'est pas. Il ne faut pas que ce soit toujours facile, sinon. Ouais, toujours ça, compliqué, sinon c'est pas marrant. Là ça nous remotive. Voilà. Quand c'est facile, ça nous remotive. On s'est dit, ah tiens.
La prochaine, il faut que ce soit la même. En tout cas, merci une fois de plus de nous avoir suivis sur cette petite aventure. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on vous dit à la prochaine chasse. Mais là, il va falloir que je reprenne le boulot. J'aurai un peu moins de temps de dispo maintenant. Allez, salut à tous. À bientôt. Ciao. 73. Alors, pour le coup, la vidéo ne sera pas terminée. Bien sûr, c'est de la balade. Moi, je me régale à ce bout. Parce que nous avons décidé au final d'aller chercher la radio sonde, comme on avait tous le temps, d'aller chercher la radio sonde de ce midi. On ne change pas une équipe qui gagne. Elle sera du côté de Salon de Provence. Donc là, on s'est arrêté se faire un petit pique-nique du côté de l'aérodrome de Guillère, voilà, qui est juste là derrière nous. Alors, pour ceux qui nous ont suivis il y a longtemps, il y a quelques années en arrière, c'est ici en fait qu'on faisait décoller les radios sondes Bouffigo, voilà, qu'on faisait dans le 13. Voilà, c'était des sondes qu'on fabriquait nous-mêmes, enfin toute une équipe. Et il y avait une équipe de recherche, et puis voilà, on lançait la sonde nous-mêmes et on demandait toutes les autorisations nécessaires, bien sûr. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait des gens qui travaillaient sur la nacelle, maître de la vidéo, maître de la PRS, plus une sonde modifiée. Sur le gonflage, commander les ballons, l'hélium. Sur la recherche. Et oui. Moi, pour gonfler, je suis fort. Voilà, et tout partait d'ici. C'était très intéressant. Et puis, pour le coup, on a mis en route. Voilà, l'antenne est là. Et on a remis en route le récepteur. 403 avec, comme on appelle ça, sonde monitor. Et là, on est en train de décoder la radio sonde de l'OHP. Voilà. Bon, on n'ira pas la chercher parce que là, elle va carrément sur l'est. Et ça va faire un petit peu loin. Trop de kilomètres. Ouais, ça fait trop de kilomètres. Et puis bon, on ne peut pas les chercher non plus, trois sondes dans la même journée. Quoi qu'il y en a qui le font. Si, on pourrait. Si. Ouais, mais là, c'est un peu trop éloigné les unes des autres. Ah, voilà, donc oui, pour l'instant, on se contente d'écouter l'OHP. Voilà, techniquement parlant, c'est toujours intéressant. Et puis on va attendre le décollage de la radio-sonde animoise de ce midi. Et puis entre temps, on va se faire notre petit pique-nique. À midi, tu écouteras 402-800, le Cuneo. Ah oui, Cuneo. Ah oui, ouais, on peut peut-être la recevoir d'ici. Hein. Et puis après, 403-600, c'est pas Genève, Payerne. Voilà. Ah oui, Payerne, en Suisse. Voilà. Ouais. Ouais. Et puis après, tu as un peu les Espagnols aussi, hein, si tu veux. Palma, Mallorca. Bon, on va se faire un petit pique-nique en attendant, tranquille, sous le soleil. C'est 10h. Je voulais dire, parce qu'on m'a souvent posé la question au sujet de l'antenne, du récepteur, etc. Alors, il faut savoir que l'antenne, cet élément que vous voyez là, bon, là, c'est une fabrication industrielle. Mais ma toute première antenne, c'était aussi une fabrication artisanale. Et ces informations-là, vous les trouvez sur radiosonde.eu, dont vous trouverez en générique de fin l'adresse. Et vous avez toutes les modifications si vous voulez fabriquer votre antenne vous-même, hein, parce qu'on m'a déjà posé la question. Et même pour le petit récepteur qui est là, c'est un Jupiteru. Bon, il y a une petite modif à faire en interne pour une sortie discriminateur. Pour cette sortie discrète, c'est quoi? C'est une résistance, il y a une piste à couper. Il y a une résistance à mettre, une piste à couper et un strap à faire. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose. Et ça, pareil, vous le trouverez sur le site de radiosonde.eu. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur ce site qui est très bien fait, qui est assez complet, peut-être un peu trop à mon humble avis, mais sur lequel on trouve toutes ces informations là. Donc c'est jamais trop, hein. C'est clair. Donc on m'a souvent posé la question, mais n'hésitez pas à y faire un saut. Encore une fois, vous avez l'adresse sur le générique de fin et vous pourrez combler votre sinon MMANA, il te calcule votre besoin. Oui, aussi le programme de calcul d'antenne MMANA. Bien sûr. Tu lui fais calculer ce que tu veux. Après, pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez l'adresse de savoir où j'ai pu trouver ce type d'antenne, je peux vous la communiquer. Hein. Après, c'est pareil, un outil indispensable, c'est la perche maintenant. Hein. Donc, c'est pareil. Bon, ça, on le trouve maintenant sur Amazon, enfin, on le trouve un petit peu partout. Hein.
casse-croûte. Et puis maintenant, on a orienté l'antenne dans l'autre sens. Et puis là, on est en train de décoder la Limoise qui vient juste de partir. Voilà. Donc on va la suivre tranquillement. Il y a encore le QSB. On va essayer d'étudier son vol. Vous voyez, elle vient juste de partir de Nîmes. En plein boulot là. On fait la sieste. Ils s'imaginent pas. Elle est pas belle la vie. On attend que la sonde. On s'accorde une petite demi-heure de pause là. Mais bon, le service est là, ça désire. Quand on devait avoir le. On attend le Dijon là. Et pendant ce temps, ça décode tout seul. Bon, mais voilà les travailleurs du décodage actuel. On voit que il se lève à la patate quand même. Hein. Ah putain, on est à fond, non? On est à fond de taquet là. On a mis le turbo. Et pendant ce temps-là, ça décode tout seul. Bon, vous avez encore le temps, hein, les gars, parce que elle est qu'à 20 000. Hein. Bon, allez, bonne sieste. Ah, explication d'usage. Mais du coup, on est tombé sur un nageur qui nous a fait un bel exposé sur la Guyane. Il y a des trucs qu'on s'imaginait pas. Hein. Ah, déjà, il y a des milliards de cours d'eau. Bon, voilà, après avoir fait les explications d'usage auprès de la police municipale, qui a été bien sympathique d'ailleurs, ces jeunes gens-là, se sont intéressés à ce qu'on faisait. Bon, voilà, du coup, on reprend la route. Maintenant, elle est sur le point d'atterrir. Et. On l'a récupéré. Christian est derrière, il nous suit. Alors, ça y est, maintenant on prend un chemin de terre. Elle est au bout de ce chemin-là normalement. Dans le champ d'olivier là sur la droite. Donc on n'aura pas trop à aller chercher. Le mec il est passé avec le tracteur quand il est dedans. Il est fort. Ouais, il est là le mec, écoutez. Voilà, on s'est arrêté. Par chance, il y a le propriétaire du champ d'olivier qui est là. Donc Robert, il est en train d'expliquer au monsieur ce qu'on est en train de rechercher pour qu'il nous laisse l'autorisation d'accéder au terrain, voilà, tout simplement. Mais ils sont gentils, les paysans aussi, il n'y a pas de raison pour que ça se fasse pas. Bon, voilà, on a quand même pris la perche au cas où. On m'a dit qu'elle est dans les oliviers. Pour moi, elle est à droite, là. Alors attends, là il est 250 mètres en face. Oh putain, 250 mètres, c'est dans la propriété. Oui, il y a une propriété en face. Légèrement sur la droite. Fais-nous un point d'antenne, Robert. C'est ça, ouais. En face, là-bas. Ouais. Par là-bas, tu auras le signal. Légèrement sur la droite, moi je vais au TTG. Un petit peu plus à gauche, voilà. Là, t'es dans la direction. Comment tu fais pour faire un point d'antenne avec ça? C'est impossible. Mais parce que t'as le signal à fond. Bah, dans ce cas-là, tu te mets en harmonique 2. Non, je me décale. Tu peux te décaler aussi, bien sûr. Bon, elle est tombée, alors. Il y a une propriété privée, là aussi. Donc, on va voir si on peut... S'il y a un chemin pour y accéder. Apparemment, c'est ouvert. 150 mètres. Ça monte les gars, ça monte. Ah bon ? Allez, va souffler un peu là. Et là, il y a un haras avec des chevaux. Sympa comme quoi. Oui. Et oui, je te l'ai dit qu'elle était dans un champ d'olivier. Et le champ s'étale aussi sur l'arrière. Voilà, elle est quelque part par là, sur la droite. Allez, on va mettre en live. On ne devrait pas tarder à la voir. Mais si, ça va venir, Robert. Sois patient. Là, d'en face, par là. Ça monte. Allez, en live là. Oui, on est dessus là.
remets ton récepteur en route. Elle est toujours en route, hein. Mais on devrait être dessus là. Elle est là. Ah bah voilà. Et oui, elle est posée là au sol. Moi j'ai cherché le rouge. Comme quoi, hein. Allez, tu n'auras pas besoin de te baisser. Mais voilà. Et le parachute, il est tranquille. Et oui, regarde. La sonde, elle est là toute seule. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de parachute, il n'y a rien. Et ouais, c'est bizarre. Ouais. Elle était posée là. Abîmée ? Non, pas du. Si, un petit peu. On ouais. Ouais, elle est un petit peu abîmée au sol. Hein. Elle a dû taper, ça a dû se décrocher, regarde. Ouais. Il y a des marques. Ouais. Ça a dû se. Ouais, elle a tapé sur le côté. Elle a dû se décrocher. Elle a dû se décrocher en cours de route, mais pourtant à la fin la vitesse n'était pas si grande que ça. Ouais. Ouais, mais elle est la sonde est tombée toute seule. Il n'y a pas de fil ni de parachute. Alors on va peut-être faire un tour d'horizon et puis. Non, mais le parachute il pourrait être à 10 km. Là. Bon, elle venait comme ça. Elle venait de là. À cause que le soleil. Ben voilà, c'est la première fois que ça nous arrive. On récupère la radiosonde sans fil, sans parachute, sans rien. Elle est tombée comme ça toute seule. Donc je sais pas, le nœud a dû se défaire peut-être en cours de vol. Et pourtant à la fin c'est bizarre parce qu'on a surveillé la vitesse de descente, elle n'était pas si rapide que ça. Non. Elle était rapide au début, ce qui était tout à fait normal. À un moment donné, si tu te souviens, elle était montée à 60 mètres secondes. En cours de route, c'est peut-être que là le parachute s'est détaché. Mais tant la sonde elle fait que 36 grammes, hein, donc elle a dû planer d'elle-même. C'est elle qui a fait le parachute. Ouais. Et donc on n'a pas pu retrouver ni le parachute ni la ficelle, on ne sait pas où c'est. La sonde était toute seule posée au sol. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est pourtant on a la bonne date, ouais, c'est ça, avril 2022. C'est pas une sonde qui date de l'année dernière, bon c'est bon. Non. Quoique les dernières, on était encore au M10. Ouais. Oui, on a changé en juillet. Bon alors en tout cas, c'était bien sympa là d'avoir fait cette chasse de sondes dans la journée. La deuxième chasse de la journée. Ouais, ouais, ouais. Une petite sieste entre deux, petit casse-croûte. Ouais, une sieste. C'est pas une sieste que tu as fait, c'est un gros pénéqué. Lui, il a dormi, nous, on a surveillé. Ouais, ouais. Bon, j'ai ronflé deux, trois fois, mais ça m'a réveillé. Deux fois. Et bon, on s'est fait un petit pique-nique dans la nature, c'était pas mal. Ça te plaît, ça, les gars. Allez, salut les gars, à bientôt. Thanks for watching. Allez, ciao.